Agent Aircom, bonjour. Aujourd'hui, pour mieux comprendre les parentés à traits d'individus, vous allez travailler à partir d'un tableau d'attributs. Oui, c'est le document que vous voyez ici. Il est relativement complexe, mais j'ai besoin de comprendre comment on peut utiliser ces attributs, c'est-à-dire des caractères spécifiques à certains êtres vivants, des caractères positifs qu'ils possèdent tous, permettre de comprendre quel est leur lien de parenté. Vous allez avoir à tracer un arbre phylogénétique comme vous l'avez vu dans la vidéo qui vous était présentée pour ce cours. Bien évidemment, votre agent de liaison va reprendre quelques explications et je pense même que vous allez le commencer avec lui pour être sûr d'être sur de bons rails. Je vous remercie pour votre implication dans ce travail qui, je le sais, n'est pas simple, mais qui me permettra de compléter au mieux mes bases de données et de comprendre les liens qui existent entre les différents êtres vivants de cette planète. Oui, plus ça va, plus j'ai l'impression que tous les êtres vivants sont liés sur cette planète et que c'est une chose importante à prendre en compte dans la compréhension de la planète Terre. À vous, merci encore et bon travail.